Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur GTA 5 Online en 1.17 qui va vous permettre donc de vous catapulter à l'aide d'un ami et d'un véhicule. Donc pour faire ce glitch, votre ami devra, vous ou votre ami hein, devront se placer comme moi, enfin ou comme mon ami sur la vidéo, dans la vidéo en direct, tout droit sur la petite miniature en haut. De bien bloquer la porte en se collant contre le montant de la portière ou du poteau comme mon ami en direct. Et une fois que la portière est buggée, eh bien il suffit de vous diriger donc avec la voiture sur la portière pour que vous soyez éjecté du véhicule. Donc je vais vous montrer deux spots. Ce spot là c'est un spot qui est déjà vraiment beaucoup connu mais qui pendant un temps a été patché, donc peut-être que beaucoup ne l'utilisent plus. Donc vous pouvez toujours le réutiliser maintenant depuis quelques temps. Je sais pas exactement depuis combien de temps c'est possible de le refaire. Mais bon, et un deuxième spot qui se trouve donc à la banque centrale, spot que actuellement tout le monde connaît. Donc je vais en profiter aussi rapidement pour vous dire si vous avez des questions à me poser pour un futur FAQ sur ma chaîne, donc une fois aux questions. Si vous avez une question à me poser tout simplement, eh bien vous pouvez aller sur Twitter, vous allez sur votre mur Twitter et vous laissez un message. Tout simplement, vous posez votre question dans le message et à la fin du message, eh bien, n'oubliez pas de mettre hashtag tuto répond, donc tuto avec un T majuscule et répond avec un R majuscule, le tout bien sûr tout collé. Donc de toute manière, toutes les informations seront dans la description, donc il vous suffira juste de lire la description pour bien comprendre et savoir quoi faire. Ensuite voilà, on a fait à peu près le tour, donc je vous laisse regarder la fin de la vidéo et puis on se retrouve très bientôt pour au moins le gameplay sur The Evil Within. Allez, salut à tous.